Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être autour de la table aujourd'hui. Nous avons souhaité réaliser cette table ronde suite à la journée hydrogène qu'on avait déjà organisée le 30 juin 2022. Et il nous semblait important de pouvoir réaborder différents sujets qui avaient déjà été émis lors de cette journée. On avait donc dans cette journée différents spécialistes de l'hydrogène, issus de différentes disciplines et de différentes expériences. Et on souhaitait, comme ça, sans tout reconvoquer, retracer quelques sujets importants. Parmi ces sujets, certains sont sujets un peu à controverse, donc on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans cette table ronde. Parmi les éléments qui nous ont semblé particulièrement saillants, le sujet était unanimement reconnu comme étant ambitieux et passionnant, au point que certains se demandent si on était au début d'une troisième révolution industrielle. Donc c'est un des éléments comme ça qui avait pu être émis. Et dans ce moment particulier de transition, on a pu voir que le temps long était important, était quelque chose à prendre en considération, ainsi que le fait que se multipliaient des initiatives parfois locales, et que probablement que cette transition, et là on rejoint des éléments qui sont documentés par les sciences humaines et sociales sur la question de la transition, justement, cette idée qu'il y a une question d'échelle, hein, et que peut-être de ces initiatives, dans ces initiatives se posent des questions qui sont de l'ordre de la territorialisation de ces développements et aussi de leur changement d'échelle à plus long terme. Et derrière ces éléments-là, deux autres sujets s'invitent, c'est la question de l'orientation politique, en fait, du choix politique qui préside aussi au choix des technologies, en tout cas qui les accompagne, qui nous semble être un sujet important qu'on a pu percevoir dans différentes interventions comme ça. Et puis une autre question qui est celle de la mobilité, qui est quand même une part assez importante aussi du questionnement qu'on a actuellement autour de l'hydrogène, donc de la mobilité et des transports, qui est un des sujets qui est revenu aussi régulièrement dans cette journée. Derrière tout ça, une question supplémentaire qui va être celle des changements de mode de vie, de mode de consommation, de mode de production aussi, qui est vraiment une question centrale, qui interroge le fait de remplacer les technologies par d'autres technologies à hydrogène, ou bien de changer nos modes de consommation et nos modes de vie, en fait, et nos modes de production, comme je disais. Voilà. Pour aborder tous ces sujets-là, on a identifié quatre questions que je vais décliner maintenant et qu'on va aborder l'une après l'autre dans le courant de cette table ronde. La première de ces questions va être: quelle est la place des technologies hydrogènes dans la décarbonation des usages? La deuxième grande question qu'on va adresser est celle de savoir si l'introduction des technologies hydrogènes permettra finalement que rien ne change. La troisième grande question va être celle de l'acceptabilité de l'hydrogène, comment on peut l'aborder et où est-ce qu'on estime en être de cette question. Et puis en conclusion, une quatrième question qui va être celle de l'interdisciplinarité, sciences pour l'ingénieur et sciences humaines et sociales, pour essayer de comprendre ce qu'ont pu apporter les recherches qu'on a conduites jusqu'à présent dans cet esprit d'interdisciplinarité. Donc, on va aborder ces quatre grandes questions après un rapide tour de table où chacun aura la possibilité comme ça de se présenter. On peut commencer peut-être par Marie-Cécile. Bonjour, Marie-Cécile Perra, je suis professeure à l'Université de Franche-Comté. Je travaille dans les systèmes hydrogènes depuis 23 ans et je suis chercheuse à FEMTO-ST et directrice d'un centre de ressources technologiques FCLAB. Robin Roche, je suis maître de conférence à l'UTBM. J'ai des activités notamment sur l'intégration de l'hydrogène énergie dans les applications stationnaires. Donc, toujours dans le cadre de mes activités de recherche, je suis directeur du laboratoire du département énergie de FEMTO-ST et je coordonne un projet qui s'appelle ILE, dans lequel on travaille notamment sur l'intégration de l'hydrogène dans les îles. Donc Bénédicte Rey, je suis maître de conférence en sociologie à l'UTBM, membre de FEMTO-ST et au titre de l'équipe précis dans FEMTO-ST, je participe à différents projets relatifs à l'hydrogène.
Bon, Olivier Domaski, je suis sociologue au Pôle Humanité, donc FEMTO aussi, et je suis le profane par rapport à l'hydrogène. Donc, j'ai un regard de profane face à cette transition énergétique qui est programmée par des lois, des règlements. Et voilà, pour le moment, je regarde ça, j'observe ça. Donc, Nathalie Croachevili, je suis professeure en aménagement de l'espace et par ailleurs économiste à l'UTBM. Je suis également membre de FEMTO-ST et responsable de l'équipe en sciences humaines et sociales qui s'appelle RECI, qu'on a évoqué tout à l'heure, sachant que FEMTO-ST, on ne l'a pas dit, mais était essentiellement composé de chercheurs en sciences pour l'ingénieur et sciences et technologies de l'information et de la communication. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes de transition de grande ampleur. Et puis, plus récemment, je suis impliquée dans des projets portant sur des systèmes énergétiques incorporant l'hydrogène, notamment sur les dimensions socio-techniques de ces dispositifs-là. Donc, Mickaël Fernandez, je suis actuellement ingénieur d'études au sein de l'UTBM en sociologie. Je travaille dans le cadre du programme IL qui a été évoqué par Robin Roche. Donc, tout l'enjeu avec cette perspective sociologique, c'est d'interroger dans quelle mesure les sciences humaines et sociales peuvent participer à la compréhension de cette question assez globale du rôle potentiel de l'hydrogène dans la décarbonation des îles. Et en parallèle, je suis également doctorant en sociologie, je finalise actuellement ma thèse qui justement explore les trajectoires de déploiement de l'hydrogène entre la France et le Japon, ce qui nous permet notamment d'explorer la pluralité avec laquelle on peut appréhender un objet technique et penser la trajectoire de son déploiement, tant dans son rôle socio-technique que dans la perspective socio-économique avec laquelle on va accompagner, soutenir ou non certaines de ces applications. Samir Gemeil, je suis professeur à l'Université de Franche-Comté en énergie électrique. Je travaille sur les questions techniques et scientifiques autour des systèmes hydrogène depuis 21 ans et j'effectue mes recherches au sein du département énergie de FEMTO dont je suis le directeur adjoint. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer avec notre première question. Donc, quelle est la place des techniques hydrogène dans la décarbonation des usages ? Voilà. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole. L'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. La place de l'hydrogène, c'est un des leviers d'action qu'on a pour réussir la transition énergétique. C'est parfois présenté comme un substitut direct des hydrocarbures ou d'une source primaire d'énergie. Et donc c'est un des leviers qu'on a, c'est à intégrer en fait dans une vision beaucoup plus large des solutions techniques qu'on va mettre en œuvre. Donc, je vais laisser mes camarades réagir par rapport à ça. Non, mais tu as complètement raison. Effectivement, l'hydrogène est une des fleurs du bouquet énergétique. Hein. Il ne vient pas se substituer à d'autres types de d'autres formes d'énergie. Nous aurons besoin d'hydrogène dans le développement de la mobilité verte, mais aussi sur des applications stationnaires. Et ce sera complémentaire. L'hydrogène, le vecteur hydrogène, restera complémentaire aux autres énergies renouvelables, notamment. Après, si on veut rentrer plus dans les applications, effectivement, donc il y a la mobilité, le stationnaire, tu en as parlé. Il y a également toutes les applications industrielles qui aujourd'hui représentent très très largement le gros des consommations, de l'ordre de 100 millions de tonnes, il me semble, par an. Donc un premier enjeu, en plus des éléments dont on parlait, c'est de décarboner cet hydrogène qui aujourd'hui produit principalement à partir de sources fossiles. Donc peut-être, c'est important effectivement de parler de la place de l'hydrogène dans la décarbonation, notamment des modes de production et de consommation. Mais peut-être faut-il le replacer aussi dans un débat plus large, à savoir qu'effectivement, il va falloir transformer profondément nos modes de production et de consommation, et à commencer par la réduction justement de la consommation en énergie. Et à ce titre, il y a un problème de sobriété qui est premier, et puis ensuite, effectivement, les techniques hydrogène sont un moyen pour accompagner, alors à la fois la sobriété et puis effectivement proposer des solutions techniques pour transformer ces modes de production et de consommation.
Et à ce titre, je suis d'accord avec vous, l'hydrogène peut jouer un rôle, mais sous condition. La première, tu l'as évoquée, hein, il faut que l'hydrogène soit renouvelable, c'est-à-dire produit à partir de sources renouvelables. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que 95% aujourd'hui de l'hydrogène est produit à partir de sources fossiles, donc ça, c'est un vrai enjeu. Il y a aussi un enjeu, peut-être on en reparlera tout à l'heure, de ne pas déplacer le problème, c'est-à-dire effectivement d'envisager les dispositifs hydrogène sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Veiller effectivement à ce que l'hydrogène s'insère dans un mix énergétique. Vous en avez parlé, notamment Samir, tu as évoqué la fleur dans le bouquet, et je pense que c'est une très belle image, c'est-à-dire la place particulière que peut offrir l'hydrogène dans ce mix énergétique. Alors, juste pour peut-être seulement de rebondir sur ce que tu sur le terme que tu as employé, parce que l'Europe a tranché et a abandonné la notion d'hydrogène vert. Alors, c'est pas simplement pour éviter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'on en était arrivé à découper vraiment tous les processus en couleurs et plus personne ne s'y retrouvait. Mais c'est surtout pour trancher la problématique de l'objectif. C'est-à-dire, l'objectif, c'est la décarbonation et pas simplement le renouvelable. Et puisque à l'intérieur de la décarbonation se pose la question du nucléaire. Donc ça, c'est une des questions quand même qui fâche un petit peu. Et on n'a même pas tranché totalement cette question-là, puisqu'il a fallu faire un compromis avec l'Allemagne, avec une solution transitoire, mais on sait que les transitoires peuvent durer longtemps, en introduisant dans la notion d'hydrogène décarboné la production d'hydrogène à partir de gaz. Et pour qu'il soit décarboné, soit on part de biogaz en supposant que à la fin on a un bilan neutre, ou alors on envisage les solutions de captation de CO2, dont on a bien conscience qu'elles ne répondent pas à la question véritablement des générations futures, puisque une fois qu'on a capté le CO2, il faut le stocker et comment de manière sûre. Donc cette question, on voit bien que là, on est déjà dans la question que la transition énergétique, c'est évidemment pas qu'une question technique, mais rien que cette décision politique-là, elle est très forte. Et en France, on voit mal comment on pourrait se passer du nucléaire pour la production décarbonée de l'hydrogène. Alors, peut-être pour faire écho à ce qui vient d'être dit, ce qui est intéressant depuis le début de cette conversation, c'est qu'on a donc parlé de complémentarité, de non-substitution, d'usage dans la filière industrielle, de potentiels nouveaux usages, de la difficulté aussi à établir une sorte de compréhension du cycle de vie de cette molécule. Et ça met en lumière en fait toute la plasticité de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, ce statut qui lui donne finalement toute sa portée dès lors qu'on parle de transition énergétique dans des arènes assez larges. Et paradoxalement, ce statut de vecteur énergétique confère aussi à l'hydrogène toute sa faiblesse, au sens où il est très difficile de lui donner un cadrage stabilisé, relativement pertinent, je veux dire, en termes de cohérence. Il ne faut pas aussi oublier que l'hydrogène est l'une des solutions techniques du moment qui est explorée. Et quand on est dans un monde comme le nôtre, où on aime la rationalité, on aime le calcul, on fait des mises en équivalence entre plusieurs solutions, et on a beaucoup de mal à distinguer les bénéfices nets du déploiement de certains usages par rapport à d'autres. Et finalement, ce statut de vecteur énergétique et les choix qui ont été faits, ne serait-ce qu'à l'échelle française, met en lumière aussi la difficulté qu'on a à gérer ces incertitudes, avec un choix dans la démarche française qui a d'abord été de se focaliser sur l'hydrogène qui est déjà employé, avec l'usage la finalité de décarboner l'hydrogène qui est déjà un intrant industriel, un statut qui est finalement beaucoup plus évident de la part des acteurs socio-économiques et aussi de l'action publique, tandis que de potentiels usages, qu'il s'agisse de la mobilité par exemple, qui a été relativement cantonnée à l'usage intensif, à certains usages de poids lourds par exemple, ou d'autres usages comme le stationnaire sur lesquels on reviendra peut-être, non pas relégués à un futur lointain, mais en tout cas sont plus hypothétiques et donc encore matinés de beaucoup plus d'incertitudes. Voilà, donc ce statut de vecteur énergétique est vraiment intéressant parce que ça met vraiment en perspective la difficulté qu'on a à faire, à dépasser ces cloisons entre rationalité aussi et imagination, non pas au sens péjoratif du terme, mais en termes de projection, en tout cas, de projection dans un futur, ce qui est l'exigence de toute transition.
puis peut-être, pour rebondir sur ce que tu disais, Marie-Cécile, c'est-à-dire le fait que, sans doute, on a, pour produire de l'hydrogène, enfin, pour se passer des sources fossiles pour produire de l'hydrogène, se pose derrière la question de la transition. C'est-à-dire, faut-il s'interdire de produire de l'hydrogène parce qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, on le sait, on ne peut pas produire de l'hydrogène uniquement à partir de renouvelables autant T. Faut-il s'interdire de le faire ou prévoir une période de transition où on sait qu'il faut aller vers du plus vertueux, donc vers de l'énergie renouvelable, et en attendant, eh bien, essayer d'avoir un impact le moins l'impact le moins fort possible. Puisque c'est l'objectif politique, contribuer à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, c'est l'objectif politique premier. La question est posée, la question est ouverte. Mais aujourd'hui, on est sur effectivement cette transition. On a évoqué un certain nombre de chiffres, entre 95 et 98% de l'hydrogène qui est produit à travers le monde aujourd'hui est issu d'énergie fossile, donc produit du CO2. Nous devons passer par cette étape où nous allons utiliser aussi de l'hydrogène carboné, parce que nous avons aussi besoin, nous scientifiques, de retours d'expérience sur les usages. Et donc, si on souhaite avoir cette technologie qui soit développée, on est obligé aussi de passer par cette transition. Néanmoins, l'objectif, hein, les objectifs à l'horizon 2030 notamment, hein, sont d'arriver à un pourcentage d'hydrogène décarboné, cette fois-ci assez important, mais nous ne serons toujours pas à 100%. Donc voilà, on est obligé de passer par cette étape de transition où on va nécessairement utiliser un peu d'hydrogène carboné sur à court et moyen terme. Alors, quels sont les freins pour vous en tant que spécialiste que rencontre l'hydrogène, justement, qui sont les acteurs qui, à un moment, vont bloquer des choix, des orientations, des capacités à développer, à faire votre travail, à inventer des usages possibles? Parce que, bon, voilà, on est dans un monde qui est construit d'acteurs différents, avec des enjeux forts et des acteurs puissants. Hein. Bon, le nucléaire est souvent cité parce qu'évidemment, dans l'histoire de l'hydrogène, il a eu un rôle important, notamment avec la voiture électrique. Et puis, surtout, quand EDF a fait le choix de lutter contre l'hydrogène pour imposer le véhicule électrique, dont on connaît aujourd'hui un certain nombre de limites. Mais bon, voilà, pour les choix d'usage potentiel que vous pouvez diffuser aujourd'hui, quels sont les acteurs, les freins que vous rencontrez dans le développement? Peut-être déjà peut-être recadrer les usages. Donc effectivement, alors les usages, enfin c'est ce que Michael évoquait, hein, l'hydrogène est très polyvalent en fait dans son utilisation. C'est pour ça que c'est une des caractéristiques d'un vecteur d'énergie. Et par contre, ça reste une technologie qui est relativement complexe. Et on avance très très vite au niveau technologique, hein, parce que si on revient sur les performances il y a 10 ans, tant sur l'utilisation des matériaux que sur les performances, que sur la fiabilité, la durée de vie, les progrès ont été phénoménaux. Et si on compare ça aux technologies thermiques, hein, qui ont mis pratiquement un siècle et demi à se développer, on est vraiment sur une technologie qui va très vite. Donc ces freins-là, c'est pas véritablement ces freins-là qui sont premiers. Donc pas les freins techniques. Hein. C'est pas les freins techniques qui sont premiers. Même si, par contre, il y a beaucoup d'attentes. Ça va jamais assez vite. Et on est constamment, comme il y a une urgence de la transition énergétique, on a tendance à comparer l'hydrogène, les technologies d'hydrogène, avec des technologies beaucoup plus anciennes et avec des degrés de maturité qui sont très différents. Donc ça c'est quand même, ça par contre, c'est une première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est qu'effectivement, comme ça restera de toute façon complexe, malgré les solutions apportées, on a certainement intérêt à l'identifier là où c'est important de mettre de l'hydrogène. Donc pour moi, le véhicule électrique batterie, parce qu'en fait, un véhicule hydrogène, on a deux solutions, mais la plupart du temps c'est un véhicule électrique. Bon, il y a les solutions d'aller brûler l'hydrogène dans des moteurs thermiques, mais on a l'impression qu'on est plutôt en train de cumuler les problèmes que de les résoudre. Donc prenons la chaîne hydrogène embarqué, puis la combustible, moteur électrique. En fait, un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. Donc la question est de savoir si on fait un véhicule électrique à batterie ou un véhicule électrique à hydrogène.
Et en réalité, les usages sont plus complémentaires que frontalement compétitifs. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, partout où on peut se passer d'hydrogène, passons-nous d'hydrogène. Et il faut absolument continuer à travailler sur la batterie, parce que l'impact environnemental d'un véhicule hydrogène, c'est la cause première de son impact et environnemental, c'est la batterie. Donc, travaillons sur la batterie en parallèle de l'hydrogène. Et comme, malheureusement, les financements ne sont pas extensibles, chaque thématique essaye de défendre sa part d'efforts économiques pour le développement. Et donc, on se retrouve avec des technologies qui sont en compétition, mais elles sont en compétition sur les sources de développement plus que sur les applications. Donc, effectivement, les applications intensives, les applications de la mobilité lourde semblent plus directement adressées par de l'hydrogène plutôt que des batteries. Effectivement, c'est pas parce qu'on peut techniquement le faire que c'est forcément pertinent, puisqu'il faut prendre en compte un certain nombre d'aspects. Comme tu disais, le coût, les performances purement techniques, mais aussi des questions d'acceptabilité dont on reparlera tout à l'heure. Et j'ai envie de dire, justement, il faut absolument prendre en compte pas uniquement le coût, parce que sinon on arrive à des considérations qui sont un peu... simplificatrice, puisqu'on met de côté un certain nombre d'aspects qu'on ne considère pas si on considère le coût uniquement d'investissement fonctionnement, parce qu'il y a des impacts environnementaux, il y a des impacts sociétaux dans certains cas aussi. Et donc le fait de prendre en compte tout cela peut amener un résultat qui peut changer la donne au final sur certaines applications en tout cas. Et puis juste pour rebondir sur ce que tu dis, Robin, tout dépend effectivement comment on calcule le coût, même à travers le coût. Il y a un modèle de coût, c'est déjà un choix politique. Si on ne prend que le coût de production, voire le coût d'exploitation, hein, ce qu'on a actuellement, hein, les modèles de coûts sont basés sur la production et l'exploitation. Si on ne prend pas, par exemple, l'intégration du coût environnemental à travers, par exemple, le coût carbone, les effets positifs, justement, alors de l'hydrogène et des énergies renouvelables, par exemple, la santé, etc. Donc, ce qui peut être intégré en co-bénéfice et donc en abattement de coûts, finalement, on se trompe. C'est-à-dire que déjà, le modèle de coût utilisé rend, de toute façon, les énergies renouvelables non compétitives d'emblée. Donc, peut-être redéfinir les modèles de coûts que l'on utilise pour établir la compétitivité comparée de ces vecteurs d'énergie. Donc on comprend bien dans tout ce que vous venez d'échanger que la place des technologies hydrogène dans la décarbonation des usages, elle est importante, qu'il s'agit bien de faire un mix énergétique. Vous parlez beaucoup de faire des choix, par contre, les uns et les autres, et pas toujours des mêmes choix. Donc la question qu'on a envie de vous poser là, pour terminer ce premier sujet, c'est qui va être habilité à faire les choix, qu'ils soient techniques, politiques, politico-économique, lié aux usages, voilà. Dans chacun dans votre expérience et conviction, qui peut construire les bons choix ? Alors, je vais essayer de du coup commencer d'introduire un début de réponse. Ça fait écho finalement à cette plasticité dont l'hydrogène est doté, mais on observe que depuis cette rapide intensification dont il a fait l'objet depuis quelques années maintenant, les débats, en tout cas si on essaie de penser politisation en termes d'arène politique à l'égard de cet objet, sont plutôt éclatés. On se rend compte qu'il y a eu plusieurs auditions qui ont été menées dans le cadre parlementaire avec des séances à l'OPEX, qu'il y a eu également de gros débats lors de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a eu d'ailleurs quelques auditions qui ont été consacrées à la place de l'hydrogène. Ce qui est finalement assez décevant, mais qui fait finalement écho à la pratique et au modèle politique dans lequel on gère un peu la technique en France, c'est que derrière ces longs débats liés à la PPE, on a des prises de décision qui, après coup, ne s'inscrivent pas nécessairement dans les mêmes tendances. Ça met aussi en lumière, finalement, qu'il y a très peu de choix qui sont gravés dans le marbre. Il y a quelques temps, on était, si on reste sur le nucléaire, sur quelque chose qui semblait faire consensus avec une réduction dans le mix électrique à 50% au lieu des 75% qui jusque-là étaient plutôt stabilisés. Maintenant, on part sur une trajectoire un peu inverse. Et finalement, ce qui est un peu dommage, finalement, en termes de politisation autour de l'hydrogène, c'est qu'après tous ces débats et ces séances parlementaires,
La loi énergie-climat a délégué à l'exécutif le droit de travailler sur ces questions par ordonnance. Et il y a beaucoup de questions qui, dans le cadre de l'ordonnance, je ne postule pas qu'ils ont été mal pensés, c'est pas tant l'objet. En tout cas, ils ont été un peu éloignés de la sphère parlementaire et délibérative, notamment sur des questions qui, d'apparence, sont très techniques, sur la traçabilité de l'hydrogène, sur un début de cadrage au soutien à sa production décarbonée. Et c'est un peu dommage finalement parce que ces questions ont été peut-être moins explorées dans le cadre parlementaire, ce qui aurait pu participer aussi à plus de démocratisation du sujet et peut-être faciliter aussi la circulation de ces arguments qui parfois sont très techniques dans des sphères un peu plus, peut-être plus profanes dans le registre parlementaire et donc après jusqu'aux oreilles des citoyens. Et ça, c'est un peu une trajectoire un peu dommage. Alors juste pour rebondir, mais tu l'as très bien dit, donc, c'est que justement sur des sujets très techniques, la plupart du temps, ces sujets sont confinés dans des espaces d'experts et souvent éloignés de la discussion finalement publique. Alors que même sur des sujets très techniques, on peut arriver à expliquer en tout cas les enjeux, pas forcément le détail de la technique, mais expliquer les enjeux et tout un chacun est capable de comprendre les enjeux et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important justement pour des choix qui engagent l'ensemble d'une nation puisque quand les systèmes énergétiques ont cette particularité d'avoir les choix en matière d'énergie d'avoir une inertie pensée nucléaire et donc les choix qu'on prend aujourd'hui engagent le pays pour des décennies. Et donc, c'est bien pour ça que ça ne peut pas être confisqué simplement par les experts. Je suis assez d'accord. Hein. Aujourd'hui, nous avons une problématique autour, on va en reparler un peu plus tard, mais de l'acceptabilité de l'hydrogène. Mais pour moi, il y a un problème de communication vers le grand public. Hein. On s'attache, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, à avoir des actions de vulgarisation, de diffusion. Néanmoins, l'hydrogène énergie est un vecteur qui est encore mal connu et surtout mal perçu. Donc il y a un travail assez conséquent à réaliser autour de cette vulgarisation. Et puis, pour qu'une technologie soit adoptée, il faut nécessairement que les utilisateurs soient convaincus. Imposer une technologie à quelqu'un, pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire. Donc voilà, il y a tout cet aspect vulgarisation et diffusion qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Et on voit dans les actions qu'on a menées là, sur les derniers mois, par exemple, avec les journées portes vertes, entre autres, en discutant avec les gens, on voit souvent qu'il y a une division entre des gens qui pensent que l'hydrogène va être la solution à tout, et, comme on l'a dit, il n'est pas le cas, et d'autres pour qui l'hydrogène, par défaut, ça ne sert à rien. Donc là, on essaye de défendre une position plus... contrastée, voilà, avec voilà, des applications pour lesquelles ça peut avoir du sens, et d'autres, a priori, pas plus que ça. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ce qui m'a fait frapper aussi lors de ces échanges, c'était des journées portes ouvertes, la fête de la science, donc vraiment, il n'y a pas de filtre, en fait, dans les personnes qu'on rencontre. Il y a une vraie volonté, une vraie prise de conscience de l'urgence climatique, une vraie volonté d'agir, mais une incompréhension, enfin, compte tenu du fait qu'on l'a évoqué, ce sont des questions qui sont relativement complexes, des personnes de bonne volonté qui ne savent pas, qui voudraient avoir une conduite vertueuse et qui nous interrogent de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il est vertueux de faire du point de vue climatique? Et donc on se doit de répondre, enfin en tout cas d'apporter un éclairage. Après, le citoyen a le droit de décider, effectivement, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, mais il faut lui apporter, c'est nous notre rôle de scientifique d'aller apporter les éléments d'éclairage. Et à ce titre-là, moi j'ai fait la première soutenance avec d'un doctorant qui prête serment à l'issue de sa thèse. À la lecture, moi je l'avais vu sur le papier, j'ai trouvé ça un peu factice, et finalement en situation, le jeune docteur a une vraie volonté que son action ait du sens et soit en lien avec cette transition énergétique. Donc il l'a sans doute lu avec beaucoup de conviction, et cette dimension éthique de notre action, je pense qu'elle inclut aussi l'information du citoyen.
Merci beaucoup pour ce premier sujet qu'on va devoir clore maintenant. Et on va pouvoir passer à notre deuxième grande question que vous avez déjà un petit peu abordée. Donc cette deuxième grande question, je la rappelle, c'est est-ce que l'introduction des technologies hydrogène va permettre que rien ne change ? C'est-à-dire, est-ce que, tout à l'heure, Nathalie, tu parlais de une nécessaire réduction, tu as introduit le mot de sobriété. Donc là, ce deuxième sujet qui avait vraiment été un petit peu présent dans plusieurs communications de la journée hydrogène du 30 juin, on avait vraiment envie de revenir sur cette question, c'est-à-dire, est-ce que ces technologies, bien qu'elles soient insérées avec le plus de pertinence possible, effectivement, à adapter en fonction de différents types d'usages, que ça soit vraiment un élément parmi d'autres du mix énergétique qui permettra cette transition énergétique, est-ce que néanmoins, cette technologie, on attend d'elle, au pluriel, on va dire, est-ce qu'on attend d'elle qu'elle nous permette de ne pas trop changer nos modes de vie ? Est-ce qu'on se dirige vers ça ou est-ce que cette notion de sobriété, elle résonne pour vous aussi autour de la table ? Il y a nécessairement une réduction des énergies à réaliser, hein, de notre consommation énergétique à réaliser. Lorsqu'on va se placer sur le vecteur hydrogène, il y a trois grandes applications. On va parler de mobilité, on va parler de stationnaire. Et puis on peut parler aussi, alors ça fait partie du stationnaire, hein, des zones non interconnectées dans les pays insulaires, par exemple. Donc si je prends la mobilité, aujourd'hui, hein, on a de plus en plus de véhicules électriques. Marie-Cécile disait tout à l'heure qu'un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique. C'est la source d'énergie qui est différente ou complémentaire à des batteries. Donc pour l'utilisateur, on le voit aujourd'hui, on a de plus en plus de véhicules électriques et pour l'utilisateur, il va falloir qu'il s'adapte évidemment par rapport à l'autonomie du véhicule. Mais avec un véhicule hydrogène, on aura des autonomies bien plus importantes qui sont égales à celles qu'on retrouve aujourd'hui dans les moteurs à combustion interne et les véhicules conventionnels. Donc pour moi, sur la mobilité, il n'y aura pas forcément de changement à voir. Sur le stationnaire, si on parle de cogénération, c'est-à-dire que si on utilise de l'hydrogène pour produire à la fois de la chaleur et de l'électricité dans des habitations, là aussi, hein, pour l'utilisateur, ça restera totalement transparent. Et enfin, sur des zones non interconnectées, par exemple, dans des pays insulaires qui utilisent aujourd'hui pour alimenter des villages, des groupes électrogènes diesel. Si on les remplace par des groupes électrogènes à hydrogène, là aussi, ce sera totalement transparent pour l'utilisateur. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue-là. J'entends bien du point de vue, on va chercher à ce que technologiquement, l'usager ne soit pas perturbé par cette nouvelle source. Néanmoins, je pense qu'il faut absolument qu'on passe par une modification de nos comportements de manière collective. Et là, c'est une vraie décision politique à apporter parce que ça nécessite de réorganiser la société dans le domaine de la mobilité. C'est beaucoup plus large que ça. Il faut essayer de rapprocher le lieu d'habitation du lieu de travail, développer le transport collectif. Parce qu'il est évident qu'on a 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km à bord d'un véhicule léger, 8 kg d'hydrogène pour faire 100 km à bord d'un bus. Donc on se rend bien compte qu'il faut essayer de mettre plus de 8 personnes, que si on fait circuler un bus avec plus de 8 personnes à bord, on va gagner par rapport au véhicule individuel. Bien sûr, c'est à peine plus compliqué que ça. Et puis tu parlais on a focalisé sur le transport routier, mais il est clair que l'impact du transport aérien est énorme et en fait était en train de s'intensifier avant la crise sanitaire, même s'il y avait ponctuellement un léger déclin, mais on était quand même dans une phase de croissance. L'avion hydrogène, il est annoncé à des horizons un peu différents. Il ne va certainement pas régler cette question parce que le coût de l'hydrogène, on sera sur de l'hydrogène vraisemblablement liquide, le coût de compression de l'hydrogène fera de toute façon que, indépendamment de son coût économique, son coût énergétique sera très élevé. Donc tous ces usages-là, il faut les revoir. Donc je pense quand même qu'il faut prendre conscience de ça et qu'il y ait une évolution, mais de l'organisation de la société. Il ne s'agit pas de pointer du doigt un tel ou un tel qui prend sa voiture ou pas, mais de pouvoir réorganiser la mobilité en particulier de manière à ce qu'elle soit plus vertueuse. Et néanmoins, il va falloir que les usagers... Enfin, le mythe du véhicule personnel
qui est synonyme de liberté, il est déjà un petit peu battu en brèche, mais il va falloir vraiment accentuer cela. Mmh. Je partage totalement ton point de vue, notamment sur l'évolution sociétale. Hein. Ça, c'est une évidence, mais cette évolution sociétale est nécessaire quel que soit le mode de transport, le mode d'alimentation qu'on utilisera dans un futur proche. Et pour aller plus loin sur ce que vous disiez aussi, on voit que les gens sont de plus en plus conscients de la problématique climatique, mais on commence à avoir l'impression, ce qu'on appelle en anglais « carbon tunnel vision », où en gros on focalise sur le carbone, mais on met un peu de côté les autres problèmes, comme la biodiversité ou d'autres sujets comme ça. Et si on prend en compte tout ça, on voit que globalement on est en train de passer d'une dépendance aux pays producteurs de pétrole, aux pays qui ont des ressources en minéraux par exemple, dont on connaît les impacts toujours très propres, enfin en général pas propres d'ailleurs, de l'extraction. Comme on disait tout à l'heure, l'objectif c'est pas de déplacer le problème vers autre chose, mais d'essayer de le diminuer. Et pour diminuer ce problème, ça impose nécessairement donc, de repenser le fonctionnement de notre société globalement, ce qui pose énormément de questions pour lesquelles je pense qu'on n'a pas vraiment le début de la réponse encore. Et pardon. Sinon, je voulais juste rajouter qu'il y a aussi un problème également de modification des grands acteurs de l'énergie. Jusque-là, on savait faire de l'énergie par grand réseau et on n'avait pas le choix. Puisqu'on avait des centrales qui produisaient beaucoup d'électricité, on avait des sources, des réserves de gaz ou de pétrole centralisées. Donc forcément, on avait une production de masse qui ne pouvait pas être déplacée, donc nécessairement une structure de transport, distribution. Les énergies renouvelables, justement, on essaye de, à part les plateformes offshore ou des grands sites de solaire à concentration, en dehors de ça, c'est une énergie qui est plutôt distribuée. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche, parce qu'elle prend une emprise au sol importante par rapport à l'énergie produite. Mais on peut aussi tirer parti de ça en disant qu'on n'est plus tenu en fait, à un site spécifique et qu'on peut la déployer très largement. Mais par contre, ça va à l'encontre toute l'organisation du marché de l'énergie et de la mise en place des grands acteurs. Et les grands acteurs de l'énergie, ils n'ont pas du tout envie qu'on change leur mode de fonctionnement. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire la transition énergétique et d'ailleurs environnementale plus largement, comme le disait Robin, mais simplement, c'est leur métier, ils savent faire ça. Donc, quelle que soit la solution proposée, ils veulent refaire ce qu'ils savent déjà faire. Or là, il faut arriver à faire émerger de nouveaux acteurs, se rapprocher des centres de consommation, parce qu'il est clair que du point de vue du bilan total, plus on est proche de la plus on rapproche la production et la consommation, et plus on synchronise temporellement la production et la consommation, et plus on est vertueux, on a un bilan énergétique qui est bon. Mais ça, c'est pas très facile à faire émerger. On va pas se passer de grands réseaux, mais alors sur les zones isolées, ce sont des laboratoires d'expérimentation puisque on n'a pas le choix. On sera forcément, si on veut décarboner, on est obligé d'utiliser des énergies renouvelables localisées. Donc on peut espérer que ce soit des laboratoires pour faire ça. Mais même là, on rencontre des freins importants parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on sait déjà faire avec les acteurs déjà en place. Justement, je vais peut-être être provocante, hein, mais pourquoi faudrait-il que rien ne change ? On a bien compris qu'il y avait des positions, des intérêts en jeu et que ça suppose de le prendre en compte d'ailleurs, de ne pas le nier et d'accompagner justement les évolutions du positionnement d'un certain nombre d'acteurs parce qu'il va y avoir des perdants et des gagnants et ça il faut vraiment le prendre en compte. Mais si l'on raisonne uniquement en termes de substitution, on sait d'ores et déjà que l'ensemble des techniques actuellement disponibles, y compris les renouvelables, y compris l'hydrogène, ne sont pas soutenables. Si on raisonne en termes de substitution, pourquoi ? Parce que ce qui est soutenable à petite échelle ne l'est pas forcément à grande échelle. C'est ce que les experts appellent la scalabilité. Hein. Et puis, par ailleurs, on observe aussi parfois un effet rebond, c'est-à-dire, quand on propose des solutions techniques pour
pour économiser l'énergie, eh bien, en fait, les usagers raisonnent à budget constant et donc, du coup, ils consomment davantage. Donc, il faut prendre en compte ces effets-là. Et si on en revient, par exemple, à ce que tu disais sur la mobilité, si on substitue tous les véhicules thermiques à moteur thermique par des véhicules électriques, qu'ils soient ou non couplés à une pile à combustible à hydrogène, d'ailleurs, on sait que ce n'est pas soutenable. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie qui montre que, donc sur l'impact des matériaux sur la transition, en fait, et qui montre que l'essentiel, justement, de l'impact sur les matériaux vient du véhicule électrique. Et donc, du coup, raisonner en termes de substitution, ça ne marche pas. Et là, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'introduction de cette nouvelle technique doit être pensée en complément d'une modification des usages, développer les transports en commun, c'est ce que tu as évoqué, le coupler aux mobilités douces, revoir l'organisation des villes pour effectivement réduire le besoin de mobilité. T'as parlé de domicile-travail, mais ça va bien au-delà de domicile-travail, donc ça suppose en fait toute une série d'autres évolutions qui permettent justement que ces solutions techniques soient soutenables et qu'on ne déplace pas le problème, comme tu l'as dit, Robin, d'un problème de CO2 à un problème de minéraux ou un problème d'eau, d'ailleurs, pour l'hydrogène. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, je vais peut-être faire une sorte de pas de côté, au sens où, les méthodologies qu'on retrouve en sciences sociales, on a quand même une certaine difficulté à rentrer dans l'aspect prescriptif de notre travail. Alors ça nous pose aussi la question de c'est quoi la finalité de la science, hein. Bien évidemment, quand on travaille sur un objet, c'est quand même l'objectif de le comprendre et de prendre de bonnes décisions en aval. Mais l'une des grosses difficultés tout de même qu'on retrouve à l'égard d'un objet comme l'hydrogène, c'est donc que c'est un objet autour duquel pullule plein de discours. Et je pense qu'il faut avoir une certaine humilité, y compris dans le domaine scientifique, au sens où c'est un objet qui n'est pas déployé, en tout cas dans ses nouveaux usages. Et du coup, on est très dépendant d'informations d'ordre très qualitative à son encontre. On a beaucoup de mal à solliciter du quantitatif. Et le peu de quantitatif qu'on arrive à solliciter dans nos réflexions, nécessairement, vont s'imbriquer dans des mises en récit plus globales. Parce que l'individu, alors ça peut être très tautologique, mais l'individu, on n'aime pas beaucoup l'incertitude. Hein. Résultat, on essaie de boucher les trous avec ce qui nous tombe sous la main et on cherche le plus crédible possible, y compris devant des situations qui ne nous arrangent pas trop. Et l'hydrogène, eh ben, à ce sujet, c'est un très gros vecteur de promesses technologiques. Et la promesse que rien ne change, c'est quand même, même si aujourd'hui on veut être dans une approche où on ne veut pas substituer totalement l'hydrogène, un vecteur par l'hydrogène, ou etc., c'est quand même l'une des grandes promesses aujourd'hui qui dynamise, qui suscite de l'engouement à son égard. L'exemple que vous donniez autour de la mobilité routière ou de l'aéronautique, c'est quand même très, très criant. L'argument central des véhicules hydrogène, c'est de dire, bon, voilà, vous aurez la même autonomie qu'avant, vous pourrez faire à peu près les mêmes pratiques en termes de recharge, de mobilité. On revoit très très peu les scripts dans lesquels, comme vous le disiez, on vit et avec lesquels on a nos routines, nos pratiques. Et au final, par contre, on a la conscience tranquille parce que sur le plan carbone, on est relativement tranquille. Et ça met finalement en perspective ce que Étienne Klein essayait de suggérer entre l'innovation et le progrès. Où finalement l'innovation par rapport au progrès implique un certain conservatisme de l'existant par rapport à la notion de progrès qui implique une ouverture. Et c'est également ce que disait l'historien François Hartog quand il essaye d'explorer les registres temporels des sociétés. Par le passé, on était largement tourné vers le passé. Les sociétés antiques étaient très tournées vers la piété filiale et les cités, les dieux des fondateurs de leur cité. Un peu plus récemment, mais toujours dans le passé, le futur, c'était ce champ des possibles vaste qu'il fallait coloniser. Et aujourd'hui, eh bien, selon ce chercheur, on est dans une forme de présentisme, où on est totalement incapable de sortir du présent, et du coup, on a beaucoup de mal à penser le changement, y compris notamment la transition, qui, je trouve, est un terme qui fait écho à cette difficulté de nous extirper de nos pratiques, de notre quotidien. Ça me fait penser à un autre chercheur qui avait dans un colloque, c'était François Jarry, je pense, avait fait un petit comparatif entre deux vecteurs, celui qui nous intéresse aujourd'hui, et puis un dont on ne parle absolument pas, parce qu'en termes d'acceptabilité, notion sur laquelle on reviendra, il n'y a plus aucun débat, c'est l'électricité. Et l'électricité, bon, bah, c'est quand même un objet qui a révolutionné à plein d'égards la société, et pour le coup,
Je ne sais pas si ça relèverait du registre de l'innovation, parce que pour le coup, l'électricité a vraiment bouleversé beaucoup de choses. Il y a des usages qui n'étaient sans doute pas à l'origine conceptualisés par les porteurs de cette molécule. Voilà, je vais me faire taper dessus par, par les scientifiques ici. En tout cas, qui a beaucoup chamboulé l'ordre établi. Et ça met en lumière finalement tous ces débats autour de l'hydrogène et cette promesse de non-changement. Peut-être la névrose du moment qui est de, non, surtout essayons de ne toucher à rien. Voilà. Alors, je finirai peut-être par quelque chose d'un peu plus optimiste. L'hydrogène est porté par plein d'autres promesses. Il y a l'abondance énergétique qui finalement fait aussi écho à la situation du présent. Mais il y a quand même beaucoup de projets aussi qui s'inscrivent, comme vous le mentionnez, dans des approches beaucoup plus décentralisées, avec plus ou moins, je ne sais pas, de concepts de sobriété, de frugalité, si tant est qu'on arrive à se mettre d'accord sur le sens de tout cela. Mais une des tentatives finalement assez récentes et qui a été assez médiatisée, c'est les scénarios que l'ADEME avait portés, les quatre grands scénarios prospectifs, qui enfin, témoignent d'un gros travail de mise en récit pour le coup, et c'est voulu, hein, on ne peut pas se projeter autrement que par un peu d'imagination, mais justement avait fait des scénarios avec différentes thématiques dominantes dans ces récits, avec la frugalité, la coopération territoriale avec une grosse approche collective, une autre, si ma mémoire est bonne, de technologie verte avec une approche très technophile, et enfin une, je crois, encore plus technophile avec l'objectif du pari de la réparation, où la technologie viendrait non seulement atteindre une sobriété carbone, mais viendrait aussi permettre, par exemple avec le captage, la séquestration, de corriger les erreurs passées, voilà, pour essayer finalement d'explorer tous ces possibles et surtout ces différents récits. Et je trouve que réussir à dépasser cette cloison entre rationalité, calcul et puis imaginaire autour de l'hydrogène, ça nous permet vraiment aussi de questionner la manière avec laquelle on pense potentiellement ce déploiement, quoi. Merci. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire là, pour conclure, et puis ça va permettre d'introduire peut-être le sujet d'après, c'est qu'on avance dans l'idée qu'on ne doit pas être dans la substitution, mais qu'en fait la promesse technologique de l'hydrogène est tellement forte qu'elle est quand même encore très présente dans cette idée qu'on va quand même pouvoir pas trop changer, quoi. Et qu'il y a quand même encore un gros travail à faire de manière peut-être sous-jacente, en fait, sur ça. Moi, c'est un peu mon avis, oui. Alors, c'est pour le coup, c'est un avis plus personnel qu'une conclusion scientifique, hein, mais quand on observe les différentes façons avec lesquelles on se projette à l'égard de l'hydrogène, si on prend la conception de l'AIE, si on prend la lecture aussi de la feuille de route européenne, on reste dans des approches, je trouve, où l'abondance énergétique demeure, par exemple, une promesse assez forte autour de l'hydrogène, ce qui, paradoxalement, comme vous le mentionniez toutes et tous, est quand même sans doute l'un des paris les plus difficiles, au sens où il faut le produire en amont, ce qui implique un déploiement sous-jacent d'autres capacités de puissance. Et c'est assez difficile, à nouveau, de problématiser cette notion de vecteur, au final. Donc, il y a sans doute encore un gros travail à faire. Mais la difficulté, quand on parle de ce gros travail, c'est que ça implique à nouveau une approche très prescriptive, et à l'égard d'un objet qui est pavé d'incertitudes, je ne suis pas tout à fait à l'aise pour donner des conseils. Cela dit, dans nos projets de recherche, on n'obtiendrait zéro projet si on ne venait pas se caler sur les indicateurs qui sont exactement les indicateurs de performance actuels. C'est-à-dire qu'on nous demande, pour que nous soyons financés, nous prétendons, avec de l'hydrogène, faire aussi bien, au minimum aussi bien que les performances énergétiques des objets actuels. Ce qui effectivement est complètement nous oblige à une forme de schizophrénie, parce qu'on est bien sûr que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais si on le dit, on n'est pas juste pas financé, en fait. Donc je trouve ça très éclairant. Oui, je parle des projets de recherche, et ce que tu viens de dire est très éclairant, parce que je n'en avais pas pris conscience. Donc merci. Enfin, c'est un peu déprimant, mais merci. Un dernier point là-dessus, peut-être, mais je trouve que autour de l'hydrogène, ce qui est vraiment intéressant à creuser, c'est cette notion de déploiement. Au sens où le déploiement, c'est normal, on est entre scientifiques, on cherche aussi ce qui est le mieux, peut-être le plus élégant en termes de construction, etc. Mais quand on regarde également ce qui s'est fait par le passé, alors j'ai envie de surtout pas à répéter le passé, hein, c'est pas du tout ça, mais le déploiement implique un certain cloisonnement entre l'innovation, l'industrialisation, etc.
Mais finalement, on parle de l'aéronautique hydrogène, par exemple. Aujourd'hui, l'avion conventionnel n'a pas fini de se déployer. Le déploiement, c'est quelque chose, c'est une droite plus qu'un segment, finalement. Et il en va de même pour le moteur thermique. La voiture classique n'a pas fini de se déployer. Et elle n'a pas commencé à se déployer quand elle était pertinente. Non, elle a commencé à se déployer, à être vendue, alors que c'était assez dangereux, qu'on pouvait avoir un éclaboussure d'huile dessus. Puis on a inventé le démarreur qui a été ajouté, qui a peut-être dopé finalement les ventes. Enfin bref, on n'a pas commencé à déployer quelque chose quand c'était parfait. Et ça, finalement, peut-être, je trouve, c'est peut-être encore plus fort, y compris chez les sciences sociales, mais dans le raisonnement scientifique, on a une certaine prudence au sens où on veut vraiment trouver quelque chose qui est élégant, quoi, voilà. Et peut-être que dans la vie, c'est pas forcément la chose la plus visible. Alors peut-être que ça s'est observé, hein, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. En tout cas, c'est pas souvent la démarche qu'on observe dans beaucoup de trajectoires, quoi. Donc viser l'acceptabilité, enfin l'acceptabilité au sens de solution satisfaisante plutôt qu'optimale. En amélioration continue, selon des objectifs d'ailleurs qu'il faut définir collectivement. C'est-à-dire améliorer quoi? Tu dis mieux, mais mieux par rapport à quoi? Quels sont les critères? Donc là, si on ne prend que le critère gaz à effet de serre, qui est effectivement quelque chose d'absolument essentiel, mais il faut peut-être justement avoir une palette un peu plus large d'objectifs visés, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, pour justement pas trouver que derrière, il y a un autre problème qu'on n'avait pas envisagé à l'origine, que ce soit sur les matériaux, on en a déjà parlé, hein, sur les minerais, ou que ce soit sur l'eau, ou enfin, d'autres types de problèmes que ces technologies finalement génèrent, que n'avaient peut-être pas les énergies fossiles. Donc on résoudra peut-être un problème, mais on risque de le retrouver ailleurs un peu plus tard. Du coup, on se dirige vraiment vers notre troisième question qu'on a déjà abordée de manière, sur plusieurs points, c'est la question de l'acceptabilité de l'hydrogène. Derrière ce terme, on sait qu'il y a plusieurs sens possibles, hein, derrière ce terme d'acceptabilité. La question qu'on pourrait poser, c'est qu'est-ce qui doit être rendu acceptable, par qui et pour qui? Donc derrière ce terme d'acceptabilité, on met vraiment des choses qui sont variées, mais aussi on doit peut-être re-questionner ce que c'est l'acceptabilité. Donc on en a parlé tout à l'heure quand j'ai posé la question des choix. Qui doit faire les choix? Finalement, on est tout de suite retombé sur les citoyens, les individus qui doivent vraiment participer à ça. Et donc on touche directement à ces questions d'acceptabilité. Dans quel sens vous l'entendez, l'acceptabilité? Comment vous essayez de l'approcher, de la travailler, les uns et les autres? On a peut-être un tout premier niveau, tout très très basique, hein, qui est purement technologique, qui est la maîtrise du risque. Parce qu'en fait, l'hydrogène, on l'a pas beaucoup dit depuis le début de la table ronde, mais c'est un élément c'est une forme de stockage de l'énergie. Hein, l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est une forme sous laquelle on peut stocker de l'énergie. Et dès qu'on stocke de l'énergie, en fait, on a présence d'un risque. Ce qui change, c'est la connaissance en fait de ce risque, la perception de ce risque et les moyens de le prévenir. Donc ce sur quoi on travaille, c'est effectivement d'aller prévenir le risque lié à l'hydrogène et d'ajuster la prévention du risque à la perception du risque. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'au début, la voiture thermique, c'était très dangereux. Voilà, et on a appris à maîtriser ce risque. Et la façon de maîtriser le risque hydrogène n'est pas la même que la façon de maîtriser le risque hydrocarbure. Mais si on disait maintenant qu'on ne connaissait pas la voiture et qu'on s'asseyait sur un réservoir de 60 litres d'un liquide hautement inflammable, on dirait, mais ça ne va pas la tête, hein, c'est hyper dangereux. Donc oui, mais parce qu'en fait, dès qu'on stocke de l'énergie, c'est dangereux. Donc nous, on est déjà... ça, c'est déjà un tout premier niveau, et je dirais que ce premier niveau-là est plus ou moins, en tout cas, rencontre moins de freins que par le passé, où c'était vraiment la question numéro un. Même s'il faut continuer à travailler et qu'il y a tout un arsenal, évidemment, de normes pour maîtriser ce risque. Ça, c'était juste le premier niveau. Et pour aller plus loin, justement, on touche vite à nos limites, hein. On parle de sécurité. Non, après, nous, en tant que technologues, je dirais, on est quand même vite désarmés face à ces sujets-là, d'où des collaborations avec vous, entre autres, hein, qui nous permettent d'aller plus loin, puisqu'on n'a pas les compétences, nous, pour traiter ces sujets. Alors, c'est vrai que nous,
Je laisserai ensuite la parole à Mickaël qui a plus travaillé le sujet, mais c'est vrai que pour les sciences humaines et sociales, la question de l'acceptabilité pose déjà problème, parce que en fait, ça présuppose que d'un côté, il y a les chercheurs et les experts techniques qui réfléchissent à une solution, et ensuite, de l'autre côté, les usagers, la société à qui il faudrait faire accepter, donc en gros, avec un bon plan marketing, des solutions qui ont été quand même pensées par les experts. Donc déjà, pour nous poser ce problème en ces termes, ça pose problème. Alors pourquoi ça pose problème? Parce que tout d'abord, l'histoire des techniques montre qu'il y a de nombreuses innovations techniques qui finalement n'ont pas été utilisées telles que leur concepteur l'avait prévu à l'origine. Et puis on ne compte pas non plus le nombre très important d'inventions qui restent sur l'étagère finalement parce qu'il n'a pas trouvé son public. Pour la transition sur les systèmes énergétiques, le cas des éoliennes est assez emblématique de ces difficultés-là et qui oppose en général justement des gens qui sont convaincus que pour la transition énergétique, les éoliennes peuvent être une solution intéressante et de l'autre côté, dans les sites concernés, des populations qui souvent s'opposent à l'implantation de l'éolienne, parfois dans le cas du syndrome NIMBY, Not in my backyard, c'est-à-dire surtout pas à côté de chez moi, c'est-à-dire que sur le fond ils sont d'accord, mais en tout cas pas chez eux. Alors, pour les technologies hydrogène, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a commencé à discuter avec les gens, y compris lors des visites, c'est pas tant le problème. Le problème d'acceptabilité n'est pas là où on l'attendait. C'est-à-dire que les gens ne sont pas particulièrement préoccupés par le fait que ça peut exploser bizarrement. Alors que dans la tête, justement, des collègues, tu viens de le mentionner, c'est quand même là qu'est le principal risque. Alors, on parle de dangerosité à l'utilisation. C'est des choses, Marie-Cécile l'a bien dit tout à l'heure, où il y a la perception et puis la prévention. Mais il y a aussi, je pense, une peur par rapport à la disponibilité. C'est-à-dire, en termes d'usage, comme ce n'est pas un vecteur qui est encore très développé, les usagers, les utilisateurs vont avoir peur de tomber en panne s'ils utilisent un véhicule à hydrogène ou ne plus avoir assez d'hydrogène pour alimenter leur installation électrique. Donc je pense que ce point-là est aussi quelque chose d'important en termes d'acceptabilité. Pour terminer peut-être sur la question de la sécurité, au fur et à mesure que je travaille sur ces sujets, et puis ayant un véhicule électrique à la maison, je me rends compte qu'au final, le plus dangereux n'est pas forcément là où on l'attend, c'est que... Si on a une fuite d'hydrogène, voilà, ça va brûler. Si on a un problème avec des batteries qui prennent feu, ça ne s'arrête pas comme ça. Et c'est là un problème qui est complètement différent et qui est, je pense, encore sous-estimé par beaucoup de gens. Les pompiers le voient, plus il y a de véhicules, plus il y aura fatalement de feu. Et ça ne s'arrête pas comme ça. Donc la perception des gens risque de changer aussi au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de véhicules électriques ou hydrogène. Quelque chose qui fait tout à fait écho à ce que vous avez dit, c'est j'ai également un jour discuté avec un pompier qui expliquait, alors non pas la question du véhicule électrique, mais ne serait-ce que le vélo électrique, mais justement en mettant en perspective cette appréhension qu'on a à l'égard du risque autour de l'hydrogène et de son inflammabilité, de son explosivité potentielle, et lui expliquait que pour le vélo électrique à batterie, la plupart des gens, je m'inclus dedans, je serais totalement incapable d'éteindre un incendie de ce type, mais finalement, ce qui est le plus intéressant à travers ce sujet, c'est cette notion de maîtrise du risque que vous avez évoquée, au sens où, en effet, la notion de risque, elle est, c'est surtout une problématisation de l'acceptabilité, si à nouveau on arrive à s'accorder sur ce que c'est, qui est issue, la plupart du temps, de la part peut-être des acteurs de l'offre, avec une certaine, en tout cas, du côté des concepteurs, des développeurs de projets. Et c'est peut-être particulièrement
plus flagrant dans le monde de l'hydrogène où, ben, avant d'être un vecteur énergétique, c'était un intrant industriel qui, du coup, ben, dans le monde industriel, le risque, c'est quand même quelque chose de... Il n'y a pas de gestion de crise, c'est du quotidien, la gestion du risque. Donc ce tropisme peut-être autour du risque qu'on retrouve aussi autour de l'hydrogène traduit aussi cette naissance très située de l'hydrogène et de ses potentiels usages. Peut-être plus peut-être que les énergies renouvelables qui plutôt ont été investies dès le départ par des associations, des citoyens qui ont essayé de faire des choses autour de leur territoire par exemple. Autour de la notion d'acceptabilité, Nathalie l'a très bien dit, il y a une grosse critique du point de vue des sciences humaines et sociales du fait de ce galvaudage dont fait l'objet cette notion. Dans une approche peut-être moins controversée mais dans le monde du débat scientifique, l'acceptabilité fait aussi l'objet de beaucoup de discussions, non pas tant à cause de ce galvaudage qui est réel, hein, mais aussi et surtout à cause du flou conceptuel de cette polysémie. Derrière la notion d'acceptabilité, on a énormément de définitions potentielles que certains chercheurs avaient essayé d'objectiver pour réfléchir un peu. Nathalie mentionnait le NIMBY qu'on peut inscrire dans ce champ de l'acceptabilité, mais qui a beaucoup de limites au sens où on va beaucoup explorer du coup l'inacceptable très localisé autour d'un projet. Mais c'est par exemple une approche qui nous rend tout à fait aveugle à la circulation d'une controverse au-delà de la zone riveraine. Récemment, il y a eu les grosses controverses, les grosses manifestations autour des bassines de Sainte-Soline, qui figurent comme un projet extrêmement localisé, et on se rend compte qu'on a vu des manifestants arriver des quatre coins du pays, peut-être parce que, alors c'est de l'hypothèse, hein, j'ai pas travaillé là-dessus, mais parce que l'eau est une notion, un sujet qui a été politisé, parce qu'on se rend compte que dans le cadre du dérèglement climatique, les gens se sentent concernés par des projets qui pourtant sont très éloignés. Et ça met aussi en perspective la difficulté avec laquelle un projet, en tout cas comment est-ce qu'on peut traduire cette notion d'acceptabilité. Ce projet avait été au centre de beaucoup de concertations pendant plusieurs années, il semblait qu'il y avait toujours des tensions mais elles étaient relativement canalisées, et on se rend compte qu'au moment où les travaux devaient commencer, eh bien, tout cela a éclaté avec des frontières qui dépassent en tout cas le projet en lui-même. Donc les approches très territorialisées de l'acceptabilité sont très limitées, et au-delà de ça, il y a aussi cette frontière, ce postulat qui à nouveau est mis en avant entre la rationalité et l'irrationalité, alors qu'en fait on se rend compte que souvent les projets sont peut-être très bien conceptualisés sur un plan technique, mais ne prennent pas en compte une rationalité. L'idée n'est pas de faire du relativisme, mais il y a d'autres rationalités possibles, celle des routines, quelqu'un qui a son emploi du temps au quotidien est dans une rationalité qui n'est finalement pas aussi illégitime qu'une rationalité très bien pensée en labo. Et il y a certains chercheurs qui ont essayé de dépasser cette notion, notamment en inscrivant une approche par les pratiques. Et ça fait finalement écho à ce que vous disiez. Je pense que cette notion de risque est très intéressante pour le dialogue SPI-SHS. Ils se sont dit, mais peut-être que le risque, en effet, il faut s'interroger sur cette perception, et peut-être qu'il faudrait étudier les pratiques très, très quotidiennes, très prosaïques des gens. Et ces chercheurs avaient notamment exploré un démonstrateur hydrogène en Grande-Bretagne, si mes souvenirs sont bons, qui visait à injecter et mélanger de l'hydrogène dans les réseaux de gaz de ville, à hauteur d'un certain pourcentage. Ils se sont dit, mais par exemple, dans une pratique aussi quotidienne que banale qu'est le fait de cuisiner, dans quelle mesure l'injection d'hydrogène peut faire évoluer des choses très pratiques, la couleur de flamme, la température, et donc faire pénaliser des petites routines temporalisées, le fait de faire chauffer de l'eau pour cuire des pâtes, par exemple, peut-être que ça peut faire évoluer quelques minutes, et du coup, on peut se rendre compte que la notion de risque peut être digérée, si je puis dire, par les acteurs sociaux de manière extrêmement différente et assez très banale, finalement. Et en fait, à travers ce mode de description, on peut finalement plus efficacement comprendre ce qu'est l'acceptable au quotidien que cette volonté assez franche de vouloir tout de suite interroger comment faire accepter un projet. Voilà. Peut-être l'étude d'objets plus indirects peut plus efficacement nous renseigner sur le sens de ce terme. Oui, la meilleure idée, c'est pas celle qu'on a, c'est celle qu'on partage. Mais par contre, je me pose la question de thématique que tu évoques. Si on se retrouve avec des démonstrateurs, au final, des bulles d'innovation. Quelque part, alors ça peut être localement et ça peut être très bien fait, on peut très bien avoir des villages qui deviennent autonomes au niveau énergétique, qui du coup ont même une surcapacité, une surproduction d'énergie, qui peuvent redistribuer à leur population en baissant des coûts de chauffage pour ceux qui ont moins de moyens financiers, enfin bon, on peut adapter, on peut trouver, inventer
collectivement, localement, des tas de choses. Il existe plusieurs villages de ce type en Alsace, mais aussi, je crois, ailleurs en France. En même temps, ça joue le rôle de démonstrateur, ça montre que c'est possible. Est-ce que ça va rester des bulles? Est-ce que l'île va rester une île autonome? En se disant, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est formidable, parce que là, bon, c'est indispensable. En plus, on pourrait sans doute produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. Enfin bon, il y a des solutions comme ça qui sont développées en France, qui fonctionnent, avec de l'éolien, avec de l'eau de mer, purifiée, enfin bon, etc. Il y a tout un processus qui permet de faire ça. C'est un magnifique démonstrateur, utile, hein, indispensable, même pour le coup, pour leur apporter l'énergie, pour rester dans cette modernité que personne ne veut quitter, même si peut-être un jour on sera obligé de la quitter, cette parenthèse de la modernité, de la voiture, là, de tout ça. Je ne sais pas si... c'est pas totalement inutile, quelque part. C'est pas inutile, d'autant plus que, comme le disait tout à l'heure Marie-Cécile, ce que permettent les énergies renouvelables, et l'hydrogène en particulier, notamment comme possibilité de stocker des airs intermittents, c'est que justement la production et la consommation peuvent être plus proches des individus qui produisent et qui consomment. Ça permet la décentralisation finalement de l'usage de l'énergie. Et donc je pense que malgré tout, une des manières pour que, à la fois les possibilités techniques et puis les usagers se rencontrent, c'est de faire à des échelles locales, ce que permettent justement les ENR, se rencontrer ces publics-là dans une dynamique d'abord de construction du problème. Déjà, quel est le problème qu'on veut résoudre avant d'apporter une solution? C'est quoi le problème local qui se pose à une communauté particulière? Alors, il faut définir quel est le périmètre de la communauté, c'est-à-dire qui réfléchit, avec quels outils, ça reste entier, le problème reste entier à ce niveau-là. Mais en tout cas, si on fait co-construire et le problème et la solution, il y aura peut-être plus de problème d'acceptabilité. Peut-être qu'avec, c'est en tout cas la position qu'on défend avec les chercheurs en sciences humaines et sociales du réseau des universités de technologie, dans le cadre du GIS-UTSH, c'est justement de constituer des milieux de conception où on définit le problème et on co-construit la solution, alors de manière évolutive, on va pas tomber tout de suite sur la solution qui est la plus satisfaisante, mais en tout cas dans cette dynamique de co-construction. Et donc l'idée qui est défendue, c'est que si l'on prend soin de la façon de concevoir les dispositifs, si on laisse les choix techniques ouverts, l'hydrogène ne posera pas de problème d'acceptabilité. En fait, peut-être pour être là encore un peu provocante, ce n'est pas l'hydrogène qui pose un problème. Ce n'est pas les éoliennes qui posent un problème. C'est la manière de poser les problèmes énergétiques et de les résoudre. Est-ce que je peux me permettre une question? Je m'interroge sur... est-ce que dans vos travaux, et est-ce que vous le faites et est-ce que c'est pertinent de tenir compte de l'influence des réseaux, en fait? Parce qu'on voit dans plein d'autres domaines qui ne sont pas celui-là, qu'une opinion très minoritaire paraît majoritaire ou paraît extrêmement forte, importante, parce que par la force des réseaux, quelques individus peuvent, ont les moyens de répercuter une opinion comme si elle était très largement partagée. Au point de faire basculer en fait des opinions, etc. Alors on l'a vu notamment un peu de manière un peu étonnante sur la problématique de la vaccination, donc dans la crise sanitaire, sur un vaccin certes mis au point rapidement, mais qui s'est répercuté sur des vaccins qui sont connus de tels que contre la polio, la tuberculose, enfin des maladies qui ont fait des ravages. Alors je m'interroge, est-ce que c'est un élément dont il faudrait tenir compte, qu'il faudrait mieux comprendre, notamment dans le domaine de la transition énergétique et du vecteur hydrogène? Alors là, je pense qu'on peut tous intervenir, mais il est très certain que quand on a dit qu'il fallait définir des communautés, donc déjà définir le périmètre de ces communautés et co-construire le problème et la solution, reste entier le problème du comment. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans ces communautés qui travaillent sur un objet technologique, eh bien, il n'empêche que la parole de l'expert,
elle reste dominante. Donc c'est important de définir alors, la place de l'expert, mais que du coup, ce ne soit pas lui qui s'accapare le choix finalement qui sera pris par la communauté. Parce que le choix qui sera bon, c'est pas forcément le choix optimal d'un point de vue technique. C'est le choix qui sera en fait un compromis entre le problème, la solution, etc., etc. Donc en fait, il faut définir des moyens de démocratie technique, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas de délibération qui permettent effectivement de donner un rôle à l'expert parce qu'il a quand même des choses à dire, mais que en tout cas le choix ne soit pas happé par ceux qui ont la connaissance technique, parce que ça reste de toute façon un choix politique et donc un compromis à faire. Il faut pouvoir valoriser ce qu'on appelait tout à l'heure des rationalités diverses, en fait. Le fait que dans le quotidien des individus puissent ne pas être sensibles aux vertus techniques qu'on leur promet doit être entendu au même titre que les problématiques techniques qu'on veut régler par ailleurs, en fait. Et pour ça, il faut effectivement pouvoir co-construire et il faut pouvoir animer aussi cette co-construction pour faire entendre ces différentes voix. Et puis dans les oppositions qu'on pourra soulever, parfois, en fait, ces oppositions sont liées à des problèmes tiers, c'est-à-dire que ce n'est pas lié directement au sujet qu'on est en train d'aborder, mais le sujet rend flagrant ou évident un décalage technologique sur des besoins qui étaient premiers et qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on est en train de traiter, mais que si on ne règle pas, on n'avancera pas forcément sur le sujet que nous, on veut faire avancer. Hein. Je pense très concrètement à un exemple de projet de recherche qu'on avait mené auprès de sapeurs-pompiers qu'on voulait équiper de capteurs pour prévenir des accidents cardiaques. Et le projet était jugé intéressant, mais apparaissait aussi technologiquement en décalage avec des besoins que les sapeurs-pompiers avaient très concrètement pour assurer leur mission. Donc pour entendre que ce projet pouvait être intéressant pour eux, il fallait aussi que le projet entende qu'il y avait des besoins techniques, technologiques qui n'étaient pas résolus pour eux avant ça et qui leur semblaient à eux premiers. Voilà. Et donc ça, c'est un à côté aussi qui participe de la rationalité des choses. Donc c'est pas simplement une acceptabilité sur le sujet, en fait. Ça s'insère vraiment dans le milieu, quoi. Ce terme qu'on utilise qui va un peu au-delà des pratiques, en fait. Voilà. Alors, pour essayer de répondre à votre question relative au réseau, je n'aurai pas de réponse. J'aurais peut-être un début de méthode, parce que je ne maîtrise absolument pas ce genre de terrain. Mais il y a, par rapport à la problématique que vous posez à travers la notion de réseau, enfin, on parle surtout aujourd'hui des réseaux sociaux, mais ça peut être d'autres types. Il y a les salons d'exposition qui participent largement à légitimer dans un secteur plus ou moins professionnel, à débuter la structuration d'une filière, à faire passer de grandes idées, etc., de grands messages. Je pense que l'approche par le biais de la notion de controverse est assez intéressante, qu'il y en ait une ou pas, je veux dire, mais la controverse, par rapport à ce que c'est qu'une polémique, elle implique une pluralité d'acteurs, collectifs, individuels, elle permet d'explorer comment un problème circule et change de forme dans un temps plus ou moins long, et surtout dans des arènes assez variées. Et ça nous permet de discuter, à nouveau de dépasser cette rationalité, expert profane, etc., et de voir comment des idées circulent, se convertissent, se transposent en des séries d'arguments, et certains de ces arguments sont parfois très forts, au contraire parfois très limités. À l'exemple du nucléaire, l'argument climatique au service de la filière nucléaire est assez ancien. On l'a identifié dans la littérature depuis plus de 2010, je pense. Et aujourd'hui, on voit que c'est un argument assez fort, en tout cas pour cette finalité de la décarbonation. Et en matière d'hydrogène, on retrouve certains de ces arguments qui sont aussi très puissants. Le fait que l'hydrogène permette de gérer la variabilité des énergies renouvelables au-delà de la réalité scientifique que cela peut représenter. Attention, c'est un peu toute l'intérêt de cette approche par les controverses, c'est qu'elle nous permet d'aborder le discours au sens large et du coup de dépasser ces frontières experts profanes. L'idée n'est pas de mettre sur un même pied d'égalité la valeur de ces savoirs, mais aussi d'en distinguer les croyances potentielles et les arguments. L'argument selon lequel l'hydrogène permet de stocker les énergies renouvelables et de se réapproprier la thématique de l'énergie, notamment dans des communautés décentralisées, c'est un argument qui est très fort. On voit qu'il y a une certaine appétence, une certaine portée de cet argument. Dès lors qu'on va dans une arène peut-être plus technique, moins démocratisée démographiquement, on se rend compte que
l'hydrogène pour trouver une légitimité, une acceptabilité, je n'aime pas trop l'en parler comme ça, mais en tout cas, être légitime au regard d'un monde social, eh bien, a besoin d'avoir des arguments beaucoup plus solides sur un plan technique, notamment pour capter des aides publiques. Et à nouveau, on revient sur cette difficulté à s'imposer comme un choix technique légitime. Donc cette approche par les controverses, elle peut donner des clés pour peut-être appréhender cette problématique des réseaux et peut-être d'étudier comment circule un argument dans différents champs sociaux, etc. Merci beaucoup. On arrive donc à notre quatrième question qui du coup permettra, je pense, de reboucler sur certains des sujets qu'on a déjà abordés. Cette quatrième question étant, qu'est-ce que ont apporté pour vous les recherches que vous avez conduites, auxquelles vous avez pu participer en interdisciplinarité entre sciences pour l'ingénieur et sciences humaines et sociales? On a un petit peu de recul maintenant sur cette interdisciplinarité-là ici. Oui, effectivement, ça fait maintenant quelques années que nous travaillons ensemble sur des projets de recherche. Hein, et en fait, vous nous apportez notamment cette perception sociétale que nous n'avons pas en sciences pour l'ingénieur et qui nous permet surtout d'adapter nos activités de recherche grâce aux éléments que vous nous apportez. Vous nous permettez aussi de créer des ressources pour le public que l'on souhaite cibler. Hein. Je vais citer un projet sur lequel nous avons travaillé ensemble, qui était un projet Erasmus+ High Schools, sur lequel nous avons, vous avez côté SHS sondé plus de 600 enseignants du secondaire dans 5 pays différents en Europe pour connaître leurs attentes en termes de formation d'hydrogène. Et derrière, on a réussi à développer des ressources pour ces enseignants afin qu'ils puissent développer des cours et des enseignements pour leurs élèves. On a eu aussi la possibilité de travailler ensemble sur un autre projet qui avait été financé par l'ADEME à l'époque pour favoriser la diffusion des systèmes piles à combustible vers les utilisateurs finaux qui étaient des utilisateurs de vélos à hydrogène. Et pour pouvoir identifier les conditions d'usage, hein, vous avez mené un certain nombre d'enquêtes et ces conditions d'usage, nous les avons utilisées pour savoir comment la technologie pile à hydrogène allait être utilisée dans cette application à mobilité douce qui était le vélo. Donc voilà, il y a tous ces aspects que vous nous apportez qui sont nécessaires au bon développement technologique et scientifique des technologies hydrogène. Je pense qu'il y a aussi un bénéfice de conceptualisation, en fait, d'un certain nombre d'intuitions qu'on peut avoir en travaillant sur nos sujets techniques. On sent bien, je dirais que dans le domaine de l'énergie, c'est presque caricatural à quel point la part technique est finalement doit rester modeste, enfin est modeste, à travers tout ce qu'on a échangé. On voit qu'on a très très peu parlé en fait de technique pure. Hein, et c'est pas juste parce qu'on était sur une table ronde sur l'interdisciplinarité, c'est simplement aussi parce que ça n'est qu'une facette du problème. Mais une fois qu'on l'a senti dans nos démarches, c'est un gros avantage d'avoir derrière une conceptualisation. C'est-à-dire, et d'avoir une confirmation que nos intuitions, soit corriger nos intuitions, élargir nos intuitions et apporter de la conceptualisation autour de ça. Parce que sinon, on est un peu submergé et démuni par rapport aux orientations qu'on doit prendre. Et cette conceptualisation nous aide aussi à dialoguer de manière plus efficace avec les autres acteurs de la société. Sinon, on reste entre nous, on va à nos conférences. Et c'est très intéressant, on se fait plaisir intellectuellement, mais finalement on réduit l'impact de ce que l'on peut faire parce qu'on ne sait pas en fait. Ça m'aide à aller trouver en fait le bon angle pour m'adresser à en dehors de mon cercle pur d'experts techniques. Et donc ça, c'est une démarche intellectuelle extrêmement stimulante. Et puis aussi, de manière encore plus conceptuelle, la façon dont en sciences humaines et sociales, on pose une question
est un petit peu différente, est assez différente en fait de la façon dont on pose une question dans nos communautés scientifiques. Mais si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ça découle d'une démarche scientifique, rationnelle en fait, qui est finalement pas si différente. Et la façon de poser une hypothèse. Moi, ça m'a fait prendre, par exemple, conscience. Souvent, j'ai constaté quand une question était posée en sciences humaines et sociales, la question était posée sous la forme de « je pose cette hypothèse-là, je vérifie si cette hypothèse-là est valide ou pas ». Nous, on ne fait pas ça sur le papier. Et néanmoins, en fait, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on ne va pas lancer une étude si on n'a pas déjà une idée de la solution. Sinon, on ne saurait pas monter un protocole expérimental. Et ça, en fait, ça rend très modeste. Parce qu'on se rend compte que nous devons lutter contre notre tentation cachée d'aller valider une idée qu'on avait au préalable. Et je trouve que cet échange-là, alors on est loin de la transition énergétique, mais en tout cas cet échange intellectuel-là est extrêmement bénéfique et il nous permet, en tout cas moi, m'a permis de re-questionner les biais cognitifs que j'avais vis-à-vis d'une problématique purement technique. Mais en fait, on est vraiment dans la conception et l'innovation. Et du coup, on touche au cœur des questions que tu disais tout à l'heure, Nathalie, qu'on adresse, nous, en ce moment, avec nos collègues des autres UT, sur comment on peut, se prémunir de ce genre de biais. Alors, pas seulement celui-là, mais le biais qu'on a de nos propres représentations ou de la tentation d'aller effectivement valider ce qu'on connaît déjà ou ce qu'on pressent, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'on est à la fois pas totalement... dans le sujet, et en fait, si, totalement, pour cet aspect d'innovation. J'avais une petite question complémentaire, c'est-à-dire que vous avez maintenant une certaine habitude de proximité avec les sciences humaines et sociales. Quand vous rencontrez des collègues qui travaillent aussi sur l'hydrogène, mais qui n'ont peut-être pas cette proximité, est-ce que vous ressentez un écart? Comment ça se manifeste? Est-ce que vous le ressentez ou pas? Qu'il y a une différence d'approche ou de manière de poser les questions, pour reprendre un petit peu les termes qu'on a abordés. Généralement, nos collègues, lorsqu'on leur parle des SHS, ils sont surpris. La première réaction, d'accord, c'est qu'ils sont surpris. Et quand on leur explique tous les apports que vous nous fournissez, ils comprennent un peu mieux le besoin d'interdisciplinarité. Il faut savoir aussi aujourd'hui que les guichets financiers tels que l'Agence nationale de la recherche oblige à ce que l'on travaille ensemble. Et je trouve que c'est un signal fort. Et comme l'a expliqué Marie-Cécile et moi tout à l'heure, vous nous apportez tout un tas d'aspects que nous ne voyons pas forcément en tant que scientifiques. Mais peut-être, alors je ne sais pas si je peux parler pour vous, mais je pense, en tout cas, nous, on le voit par rapport à d'autres demandes d'autres collègues de Sciences pour l'ingénieur. Souvent, la demande qui nous est adressée, c'est effectivement de pouvoir répondre collectivement à un appel à projet de façon à remplir à cocher les cases. Et donc là, en fait, on continue un travail en silo, et à partir du moment où il n'y a pas d'interaction, ça n'a pas tellement de sens. Et ce qu'on fait avec vous, c'est justement que vous jouez le jeu vraiment de l'interdisciplinarité. Alors des fois, ça frotte, des fois, c'est compliqué, c'est long souvent. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Alors c'est intéressant pour vous, mais c'est aussi intéressant pour nous, parce que ça nous oblige aussi à questionner la place des SHS. Il y a eu une très grosse réflexion justement sur cette place des sciences humaines et sociales par rapport à des objets technologiques. Et en particulier, on s'est aperçu que souvent, en fait, les sciences humaines et sociales par rapport à des objets techniques étaient en surplomb. Donc soit avant, pour expliquer, pour éventuellement anticiper des verrous d'usage, etc., soit après pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Mais souvent, en fait, on a du mal à rentrer dans la boîte noire de la technique, c'est-à-dire pour voir les choses en train de se construire. Et on s'est aperçu, enfin en tout cas nous dans les projets techniques, moi en particulier, je me suis aperçu que j'avais quand même besoin de comprendre des dimensions techniques de façon à ne pas être complètement hors sol. Alors je vais donner un exemple. Quand on a travaillé, Marie-Cécile, sur la seconde vie potentielle, enfin c'était une hypothèse, des dispositifs piles à combustible, des stacks,
Tu m'as expliqué que, en fait, les piles étaient très sensibles aux conditions d'usage et qu'elles vieillissaient plus ou moins en fonction de la façon dont on les utilisait. Et justement, en mobilité, c'est très dégradant pour les piles. Or, on sait qu'il y a une norme, hein, c'est-à-dire que quand une pile est dégradée, on ne peut plus l'utiliser en usage mobilité. Mais c'est quand même souvent dommage parce qu'elle a encore un potentiel énergétique. Donc, on s'était interrogé sur quoi en faire. Et en fait, tu m'as dit que du fait de cette dégradation liée à des usages mobilité, on ne pouvait pas concevoir n'importe quel type d'usage derrière. C'est pas simplement, j'ai des piles usagées, je les mets ensemble et puis j'en fais du stationnaire. Non, tous les types d'usages de seconde vie qui étaient quand même un vrai potentiel justement pour accompagner la transition, il n'y avait pas n'importe quel type d'usage possible. Et à l'époque, on s'était dit que c'était plutôt les chaudières. Tu m'avais parlé des chaudières individuelles qui pouvaient éventuellement être une des voies de débouché pour des stacks usagés en mobilité. Mais évidemment, si je ne sais pas ça, que ça se dégrade et que ça ne se dégrade pas pareil, je vais dire, il y a tout ça possible, non. Donc, il y a un vrai aussi atout de travailler, mais en même temps, ça suppose des conditions, c'est-à-dire que moi, j'étais béotienne, et Marie-Cécile a du coup pris le temps de me réexpliquer des choses qui sont sans doute des choses de première année, de licence en énergie, enfin, ou en génie mécanique, en génie électrique, pardon. Et je pense que faire cet effort de n'être plus justement dans son jargon de spécialiste et de prendre le temps d'expliquer, c'est la condition pour que ça fonctionne bien également. C'est le cas dans le sens inverse aussi. Hein, on sent bien que vos questions. Alors j'espère qu'elles sont moins en moins stupides, mais on sent bien que de temps en temps, il faut être humble. Voilà. Oui, une des conditions pour travailler aussi, il faut être humble parce qu'on sort de son domaine d'expertise, si on veut, en tout cas de connaissance. Et ça, il faut de l'humilité. Il faut avoir de l'humilité et réciproque. Ça paraît très basique. Mais au quotidien, ce n'est pas très simple. Surtout, il y a une pression quand même d'efficacité qui nous guette au niveau des activités de recherche. Donc, il faut que... On peut le faire qu'avec des gens persuadés que ça, à la fin, ça va aider à avancer. Parce que sinon, le souci d'efficacité immédiate, je pense que nous n'y échappons pas. Je rajouterais, il faut aussi accepter de se laisser bousculer. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait à l'origine, ça ne sera peut-être pas ce qu'on va défendre. Et donc si dans un souci d'efficacité, on venait confirmer avec, vraisemblablement, ça ne marchera pas. Donc si on ne laisse pas ouvert, c'est ce que tu dis, les scripts, si on ne laisse pas ouvert la possibilité technique, y compris peut-être de dire que l'hydrogène, là, pour ce cas étudié, n'est pas la solution. Ça veut dire qu'il faut même avoir l'humilité de dire que dans certains cas, on va en fait arriver à des conclusions contraires à ce qu'on croyait défendre. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Ça rejoint aussi le fait que nous, on ne peut pas faire de prescription. On n'a pas de boule de cristal et qu'on ne peut pas... En fait, simplement étudier des usages préalables et se baser sur les résultats d'enquête d'échecs précédents pour pouvoir donner des directions. En fait, on n'a pas on serait un peu prétentieux en fait de faire ainsi. Donc, il faut pouvoir effectivement accéder ensemble à la boîte noire et co-construire vraiment, quitte effectivement à pouvoir changer de direction, ce qui n'est pas facile puisqu'on a parlé des financements. Qui attendent quand même des résultats. Donc il faut aussi que cette ouverture-là, elle s'inclut y compris dans les prescriptions de recherche, en fait. Ce n'est pas simplement nous autour de la table, en fait, je pense. Il n'y a pas de recette pour changer, pour évoluer. C'est un pari. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure sur les représentations, c'est très, très vrai. En fait, dans les sciences humaines, on passe notre temps à travailler nos propres représentations. On a tous une image de ce qu'est le déplacement, un fou, je ne sais quoi, un malade, une personne âgée, même si on ne l'est pas. Et quand on travaille cet objet-là, quel qu'il soit, l'hydrogène ou autre, en fait, on va travailler nos propres représentations.
et on va essayer de vérifier si elles sont vraies ou fausses. Alors, la différence véritablement avec vous, c'est que nous, on s'en fout qu'elles soient vraies ou fausses. Ce qu'on essaye de vérifier, c'est de dire, bah, c'était une très mauvaise image que j'avais de cette réalité ou de cet objet. C'est pas très grave pour nous, en fait. Parce qu'on a juste dit, on s'est trompé complètement. C'est pas du tout ce que j'imaginais. Et les choses que je pensais être des supports de changement dans une organisation ou une autre, en fait, c'était pas du tout les bons. Mais c'est pas grave. On utilise des méthodes, bien sûr, scientifiques quand même, ou des outils, alors des ficelles, enfin il y a aussi des ficelles dans ce genre de métier, mais au final, qui vise uniquement à vérifier si nos représentations étaient bonnes ou fausses. Parfois on trouve même pas, et puis c'est pas très grave. Alors que vous avez cette exigence-là, on vous pose une question et donnez-moi la réponse technique. Alors nous, c'est moi. Voilà. Qui implique aussi qui a posé la question. Parce que, étant donné qu'on ne travaille pas sur la même façon, ni sur forcément les mêmes objectifs, les mêmes temporalités, comment est-ce qu'on fusionne tout ça pour arriver à des conclusions ensemble? Alors, on y travaille, mais c'est pas facile. Moi, pour le coup, je trouve que ce que vous mentionniez, se questionner des choses qui semblent relever de la même définition entre nous, en fait, ça s'inscrit dans des démarches très différentes. Comment on gère une hypothèse, c'est quoi une hypothèse, voilà. Typiquement les questions de sciences sociales, ça va durer 3 ans. Mais ça permet en tout cas d'avoir des ponts entre nous pour discuter. Et je pense, alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais ce genre de dialogue, moi je trouve ça assez potentiellement, peut-être une des clés pour redonner davantage de confiance dans ce que c'est que la science. Je veux dire, ce qu'on a vu avec ce que vous mentionnez, les controverses autour de la vaccination, etc., on a vu déferler beaucoup de discours d'experts, tout de suite très prescriptifs, et avec, peut-être parce qu'on a des contraintes en termes de c'est quoi un cadrage médiatique, avec à 2 minutes, mais c'est cette prudence qu'en fait tous les chercheurs, indépendamment de la posture, qu'on soit prescriptif ou pas, sciences sociales, sciences de l'ingénieur, il y a toujours cette prudence en fait, de dire voilà ce qu'on a trouvé dans la limite du ça marche dans la... Et ça, on n'a jamais vraiment le temps d'en parler, je veux dire, c'est comme le scénario exécutif du rapport du GIEC ou d'un scénario prospectif. La plupart du temps, on lit les quelques lignes du discours exécutif et on oublie tout le cadrage qui l'accompagne et qui en fait toute la force du raisonnement. Et je pense que si on arrivait, c'est peut-être le début, mais en arrivant à mieux dialoguer là-dessus, comme vous disiez, ça donne peut-être plus d'humilité et peut-être d'autres manières de communiquer, de dialoguer ce que c'est que la science, de rappeler aux gens, oui, on essaie de comprendre comment les choses marchent avec nos petites mains, c'est une pratique sociale collective et des fois on peut se tromper, pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux pour se tromper le moins possible, quoi. Et peut-être que ça peut participer à redonner un peu de portée et pour le coup, de légitimité à la pratique de la science. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un mot, mais je pense que c'était un mot de conclusion plutôt approprié. Merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde. Merci. Merci à vous. Merci.